Et bonjour à tous, c'est Devil, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Icarus. Alors, eh oui, je n'ai plus du tout de stuff. Il y a eu une mise à jour sur Icarus, ça a tout changé. Ils m'ont demandé de recharger ma sauvegarde, chose que j'ai fait. Alors, c'est bien, j'ai toujours ma base apparemment, j'ai toujours mes deux montures, toujours la capsule de la mission pour les grains de café. Ils m'ont fait réatterrir, donc ici, on avait atterri, je crois... par là de mémoire. Donc ça va, on n'est pas très loin, on va pouvoir y retourner. Mais j'ai tout perdu, ce que j'avais sur moi. Je comprends pas. J'ai plus rien. J'ai fermé 2-3 petits trucs là, histoire de me faire une lampe torche, que vous puissiez voir quelque chose. Donc dites-moi, n'hésitez pas, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si ça vous a fait exactement la même chose. C'est bizarre. J'ai perdu tout l'inventaire, mais ma sauvegarde est encore là. Ma base apparemment est encore ici. On va aller voir de suite. Hop, en allant là-bas. Je ne sais pas pourquoi. J'espère qu'on a encore tout ce qu'on avait dans les coffres. Sinon, il va falloir tout recommencer. Et on commence très mal. On se pète une patte. De la petite carotte, des cailloux. On reprend quelques petits trucs quand même qui peuvent servir. Juste me faire une petite arme au cas où. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Un arc et des flèches. Des flèches en pierre. Voilà, on va pouvoir se défendre avec ça. On va aller voir. J'espère vraiment qu'on a encore la base. Et quoi qu'il arrive, même si on ne l'a plus, ne vous inquiétez pas, je continue la série. Elle vous plaît beaucoup et ça me plaît beaucoup qu'elle vous plaise. Vous avez compris le truc? Ça me plaît qu'elle vous plaise. Qu'elle vous plaît? Bah, moi, ça me plaît. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir, autrement dit. Il va falloir qu'on referme par contre du fer et tout ça. J'espère qu'il m'en restait dans les coffres. Parce que ça m'étonnerait que j'ai perdu tout ce que j'avais sur moi, mais qu'il m'ait tout mis dans les coffres. Là, franchement, j'y crois pas trop. Hein, j'y crois même pas du tout pour être franc avec vous. Par contre, je trouve ça dommage. Pourquoi? J'aurais dû... On aurait dû être mis au courant ou avoir le choix de tout récupérer dans la capsule ou quelque chose comme ça. Il ne va pas m'empêcher de poursuivre l'aventure. On était bien à la même quête. Notre base est par là. Voilà, je la vois. Notre base est ici. Allez vite, je veux voir si j'ai mes montures encore. Ok, nickel. Comment tu te portes? Apprivoisé par Nobody. Donc lui, il a pas de sel. Je suis d'accord. Lui, il a encore mes matériaux. Je peux plus lui demander de me suivre. Parce que c'est comme si... Et pourtant, c'est bien mon perso. Alors, est-ce qu'on peut voir son nom? Oh, ça va pas être là. Talent. Galon, chasseur. Oh, on n'a plus aucun galon. Faut tout refaire. Par contre, c'est bien les crafts que j'ai pris. Que j'ai appris. Après, ça va, franchement, c'est rapide. Hein. S'il faut les retamer, ça me fait pas peur. J'avais encore à manger. Venez, je vous donne de la carotte en plus. De café. Pas de café, donc on n'a pas de café de prêt encore, d'accord. Et ouais, c'est ça, c'est bien ma base. Bien ma base. Hop, active-moi ça. On va dormir pour passer la nuit. Voilà, tu peux le réteindre maintenant. Il y a suffisamment de nourriture cuite. On va prendre tout ça.
Alors, qu'est-ce que c'était que ça, minerai d'or? Minerai d'or, on le mettait... On le mettait ici. Voilà. Ça, je vais le garder. J'espère que j'avais un autre... Ouais, parfait. Parfait, parfait. Je peux le rééquiper maintenant. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je suis curieux de savoir si vous aussi, ça vous a fait pareil ou si c'est dû à un bug, je sais pas. On ne sait jamais... Donc il faut tout refaire. On va se refaire tout de suite. La pioche. Il nous faut des lingots, des clous pour refaire. Couteau et lingots clous pour refaire une hache. J'en avais plein ici de lingots. Les clous, j'en avais là. Voilà. Donc là, je peux me refaire un couteau. Je peux me refaire une hache. Non, il manque du bois. Le bois, j'en ai plein. Juste ici, voilà. Hop, la petite hache. On va mettre la pioche. Mettre le couteau. La hache. Donc jusque là, tout va bien. On peut éteindre ça. Non, on voit toujours mal. Amélioration. Des flèches, on avait des flèches en os ici. Nickel. Bah flèche en os. Hein. Donc eux, je vais pas avoir le choix de les tuer. Tant pis. De toute façon, ils sont pas... je peux pas les faire me suivre ni quoi que ce soit. En attendant qu'on fasse les grains, qu'on ait les grains de café pour terminer la mission... Et il y a des animaux partout. Je pensais que ça avait changé là de nuit. Ça fait trop bizarre. Donc j'ai vu ton commentaire que tu me disais qu'il y avait des mines dans le lac. Des mines sous-marines. Je ne sais pas du tout comment on peut les trouver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller voir ça. Il m'a dit qu'il y en avait deux ou trois dans le lac. Je ne vois pas du tout. Je ne vois pas du tout. Alors, pour moi, ça peut être que ce lac-là, de toute façon. Parce que celui-là, je ne sais pas. Après, ça peut être celui-là. Essaie de me dire en commentaire, s'il te plaît, ça serait sympa, si c'est bien en J7 ou alors en G7. Et comment on les repère? Comment on peut les voir? Parce qu'il y a, a priori, rien du tout. Je ne vois rien. Je sens un petit peu Delphine là. Je pensais que c'était un piranha. J'ai eu peur. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas comment on peut les voir. N'hésite pas à me dire en commentaire. J'attendrai ta réponse le plus vite possible, si possible. Là, c'est quoi? Non, là, il n'y a rien. Ah! Peut-être ça, attends. Mais bien sûr! Bien sûr, c'est ça. Waouh. Ok,
Bon bah très bien. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment, tu sais, sous-marin. Donc vraiment sous l'eau quoi, même l'entrée. Ok, nickel. Bon bah ça déjà, ça c'est fait. Peu de fer, d'accord, très bien. Mais elle est chargée en plus, hein. Il y a beaucoup de fer, il y a du charbon. On va récolter tout ça. Ça, je ne peux pas. En tout cas, vraiment, merci à toi. Merci à toi de m'avoir dit qu'il y avait une mine juste à côté de chez moi. Ça va m'éviter d'aller en chercher une à l'autre bout. Et là, apparemment, c'est... Ah si, c'est considéré comme une grotte quand même. Allez, mine-moi ça, Delphine. Par contre, talent. Alors, solo. Ok, il y a bien ce qu'on avait mis. Exploration. Ouais, si, c'est ça. Hein. Et là, on a de l'endurance en plus. Il faudrait qu'on prenne, qu'on parte là-dessus. De ce côté et... Ouais, on va voir ça. On va voir ça. Minerai d'or, pour l'instant, non. Titane, je ne peux pas. Minerai de fer, on va en prendre encore un peu, même si j'en ai plein. Alors, sans toi, franchement, je n'aurais pas trouvé la grotte. Je ne serais pas venu à l'idée de regarder par là. Donc, franchement, merci beaucoup. Tu peux monter là, s'il te plaît. Voilà. Le fer, on commence à en avoir énormément. Je ne sais plus. Je ne sais plus si on en avait dans les coffres à faire fondre ou si j'avais tout mis à fondre. Mais je sais que pour faire de l'acier. Pour faire de l'acier, je crois qu'il faut du minerai de fer non fondu. Avec un autre matériel. Je crois, hein, de mémoire. J'ai pas regardé. Donc là, parfait. On va récupérer juste les flèches. J'avais vu du minerai de... Du minerai de charbon, là. On est surchargé. Bon, ça va, on est vraiment proche, là, de la base. Il y en a encore un ici. Là, on doit pas être trop mal. Franchement, là, tiens, tu vas manger ça, tu vas remanger ça. Ça, la flèche, on s'en fiche. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Voilà, je vais remonter avec ça déjà. Tout doucement. Allez, par contre, faut aller un petit peu plus vite. Doucement, mais un petit peu plus vite. Alors, le plus proche pour remonter... Bah, c'est... débrouille-toi, devine! Non, je vais passer par là. Non, c'est par là le plus court. On va passer par là-bas. C'est plus sécurisé parce qu'il y a quand même des crocodiles, hein, l'oublions pas. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Désolé, mon petit oiseau. Il me faudrait encore 17 grains de café. De toute façon, c'est une quête qu'on va faire en même temps. Il faut être patient. Comme des villettes. Et les molasses. On va se refaire une gourde aussi. L'arc amélioré qu'on avait fait. Faut qu'on refasse.
Allez, vas-y, tu peux le faire. Regarde. Le bord est juste ici. Et une carotte. Ce petit saut. Allez, j'espère qu'on peut monter là. S'il te plaît, tu peux monter ici. Avec tes mains, tu agrippes un peu. Voilà. Continue comme ça. Super, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ce que tu fais. Voilà, nickel. Allez, monte. Donc à faire, charger pour charger. On va récupérer du cacao. Du cacao. Voilà. Me voilà arrivé à la maison. Ah bah dis donc, ça a pas été chose simple, hein. C'est très très long. Hein. Là, ça a poussé un peu ou pas du tout? Ça manque d'eau. Ça manque d'eau. Ok. Je me fasse une gourde le plus vite possible. Ici, on va mettre les minerais déjà pour être beaucoup moins lourd. Hop, ça, on va faire fondre tout ça. Juste garder un stack. Avec ça. Voilà. Là, on peut le mettre là, la pierre. C'était pas ici. La gourde, c'était ici qu'on la faisait, je crois. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, je refais une gourde. Je refais une poche d'oxygène. Hop, hop. Et on va faire, alors, inventaire. On va mettre ça ici. Toi, on va te re-remplir de suite. Un dragon du Komodo est devant. Bonjour. Au revoir. Et toi, tu peux alors interagir. Non, c'est pas ça. Voilà. Je peux en remettre de l'eau encore. Non, 50%, ça reste à 50%. Bon, déjà. Déjà, il y a de l'eau, c'est le principal. Viens là, mon petit dragon du Komodo. Hop, tout prendre. Si, on va prendre les eaux aussi. Je vais me refaire des flèches. J'en ai perdu beaucoup. Là, j'ai tué un sanglier tout à l'heure. Été bouffé à première vue. Par lui. Désolé, hein, mais j'ai pas le choix, franchement, c'est au moins. Hop. Et vite, il me faut des os, des os. Hop. Là, il y a personne. Mais vraiment, personne. Là, c'en est où? Ok, ça avance relativement vite. Ça avance vite. Artisanat. Flèche en os. 15 seulement, parce qu'il va me manquer des os. Des os, on en a. C'est pas là. C'est là. J'en ai plus beaucoup. J'en ai plus beaucoup. Là, je vais reprendre ça et je vais reprendre aussi. Hop, ça pour me refaire encore des flèches. Voilà. Impeccable. 89, 90 flèches. C'est good. C'est good, c'est good. Ça, ça, on va pouvoir faire cuire. Je vais remettre ici ça, ça. Non, je voulais pas prendre, je voulais juste split. Hop. Ici, je ne sais plus ce qu'on mettait. On va voir. De toute façon, on va bien trouver. Minerai de fer. Minerai de fer. D'accord, j'ai deux coffres avec du fer.
Étonnant. Étonnant, étonnant. Bâton libre. Libre encore. Pierre, c'est ici. Ouais, il me faut beaucoup de pierre parce que je voulais me refaire la base. Je voulais me refaire la base par ici. On avait vu qu'il y avait un coin assez sympa dans l'épisode précédent. Mais je le ferai en off, comme j'ai dit. On ira faire la maison ensemble. Et là, il me fallait... Ah, voilà, c'est ça, des lingots d'acier aussi. Et pour faire les lingots d'acier, je ne sais plus comment on faisait. C'était pas ce four-là, je crois. Four en béton. Mélange à béton. Il faut 20 mélanges à béton. Alors, comment on fait le mélange à béton? Dans la bétonnière. Mélange à béton... Non, c'est pas la bétonnière, ça. Pas fait la bétonnière? J'ai pas fait la bétonnière. Où est-ce qu'on fait la bétonnière? Est-ce que j'ai appris la bétonnière, déjà? Hop. Bon, alors, j'ai trouvé. J'avais bien appris. Elle est là. Le mélangeur de ciment est là. Donc, il nous faut du bois, de la pierre, des lingots de fer. Alors, bois, pierre, lingots de fer, c'est ici. Non, c'est ici. Voilà. Hop. On va prendre ça. Bois, pierre, lingots de fer. Bois, pierre, pierre. Bois. Pierre, lingots de fer, corde. Corde, j'en ai 15 ici. Parfait. Donc, on a dit bois, pierre, lingots de fer et des clous. 8 clous. J'en ai 30 ici. J'en referai après. Hop, on peut se faire ça. C'est extrêmement rapide à faire. Nickel. Hop, je suis un petit peu perdu, comme je vous ai dit. Vous le savez, de toute façon. Alors, la semaine, je pars en déplacement, donc c'est très compliqué de me souvenir de tout. Je vais être amené à faire 2 ou 3 fois la même chose. Et après, me dire, ah bah non, merde. Je l'avais déjà fait. Là, il me faudrait de la place. Je vais le mettre là, je pense. Collision. Ah, mais c'est énorme, ça, en fait. Faut que j'arrive à... Tant pis, je vais te caler là. De toute façon, on va déménager. Mince. Donc, que ce soit là ou ailleurs, ce n'est pas bien grave. Accordement. Requis 250 d'eau. Quoi? Ah! Ok, bah on va le mettre à l'intérieur. On va lui trouver une petite place. De toute façon, on marche. Il n'y a plus de place pour marcher. Hop là, c'est le bazar partout. Et là, ils disent raccordement. Oh non, raccordé. Alors, par contre, ça, comment on fait? C'était pas comme ça avant. Le béton est composé de 2 éléments essentiels. Comment on fait ça? Fallait de la sève d'arbre, de la pierre et du minerai de silice. Alors juste regarder. Minerai de silice, j'en ai là. De la pierre, j'en ai là. De la sève d'arbre, j'en ai fait un petit peu. Non, même pas. Sève d'arbre. Comment on fait de la sève d'arbre déjà? Sève d'arbre avec des bâtons. Des bâtons ici. Hop, sève d'arbre. On va en faire un maximum. Mais ça, je comprends pas. Oh non, raccordé. Inactive water connection wheel. Processing speed. Ah, c'est juste pour la rapidité, je pense, non? Je pense que c'est ça. Si ce n'est que ça, c'est pas bien gênant. Si ce n'est que ça, c'est pas bien gênant. On a soif. Vite, remets de l'eau là-dedans. Voilà.
Et là, on en a 4 encore, bien. Ça se reconstruit encore. Enfin, ça pousse, ça construit pas. Raconte n'importe quoi. Donc de la sève d'arbre, j'en ai. Mélange à béton. On va en faire 12. Impeccable. Donc c'est en train de se faire. Mélange à béton, il en faudra 20. Époxy 12. Époxy, j'en ai ici. Époxy. Hop, et là, je peux en refaire encore. Il va me manquer. Minerai. Minerai de silice. Ah, oh, j'en ai pas, il va falloir que j'aille en farmer un peu. C'est un petit peu la dèche de minerai. De silice surtout. Je peux en refaire. Non, il va me manquer je ne sais quoi. Là, c'est sève d'arbre. Sève d'arbre, c'est ici. Mélange à béton, 5. D'accord. Les cordes, il va en manquer une. Oh, je suis perdu. Si, c'était là. Avec de la fibre. La fibre, j'en ai plein là. Voilà, on va faire plein de cordes. Plein, plein, plein de cordes. C'est calme. C'est vraiment trop calme. Et là, on avait un arc long qu'on pouvait faire qui était mieux que l'autre. On va le refaire. Pourquoi tu te lances pas? Ah oui, il y a les cordes, mais je suis nul. Hop, et lui détruire, oui. Parfait, on va remettre ça, voilà. Là, mélange à béton. Il ne manque que du mélange à béton. Et là, il va nous manquer de la pierre. Ah, c'est de la pierre qui manque. On est là. Hop. Hop. Et là, tu peux m'en relancer 7 seulement. 7, on va être à 19. Il va nous manquer 1. On va les récupérer un petit peu vite fait de minerai de silice. Il y en avait là-bas. Vas-y, cours, t'en au shelter, mais ça va. Ça va. Là, il y en a un ici. Dépêche-toi parce qu'il y a une tempête quand même. Au cas où t'aurais pas remarqué, tu te prends une tempête sur le coin de la goule là. Hop, 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 hop. Il y en a un autre ici. Et dépêche-toi, vite! Là, non. Ah, il y en a d'autres là. Ah, elle est épuisée. Oh, bah, te plains pas. Si tu savais ce que je faisais subir à Maud, ma pauvre. Ceux qui savent pas, Maud, ma survivante de Project Zomboid, n'hésitez pas à aller voir la série. Ça risquerait de vous plaire. C'est une survivante. Je lui en fais voir de toutes les couleurs. Allez. Vite. Il n'y a plus rien, parfait. Donc maintenant, ceci étant fait,
On va pouvoir... Des haricots. Ah d'accord, c'est marqué haricots, graines de soja. Pas moins que j'ai vu haricots, mais j'ai des visions. Pardon, petit oiseau. Désolé. Toi, 4 seulement. Ah, faut les récolter pour que ça pousse. Progression. Ah, là, ok, ça va monter. Il me refaut vite des grains de café. J'en ai là. Hop, vite, parce que ça c'est la mission, hein. Faut pas faut pas déconner, non. 9, j'ai mis 4, ça bug un peu quand même là, non. Ouais, c'est bizarre, j'en ai mis 4. On m'en donne 9. Bizarre. Bizarre, bizarre, tout ça. Toi, mange. C'est bon ça pour la santé. Ouais, c'est très très bon. Donc ici, je peux en refaire encore. Mélange à béton, je vais en faire 7. 10, j'en ai énormément. Non, ça c'est une bonne chose. Hop. Je crois que j'en récolte encore un petit peu plus parce que... Ah, ça laisse à désirer. Voilà. Bâton. Libre. Si nous en manquait un seul. Donc 9 en tout. Il y en a 10 là. Parfait. Ça, on peut le faire. Voilà. Pour en béton. Et normalement, c'est avec ça qu'on fait l'acier, je crois. Et par contre, là, on a vraiment plus de place. Hein. Là, on a vraiment plus de place. On va faire ça. Artisanat. Artisanat, il nous faut de la fibre. Hop, on va prendre ça. On va rajouter 3. Ouais, mais on va rajouter ça où? Comment on va faire? Là? Ok, c'est parti en dessous. Je me suis trompé. Marteau. Marteau, marteau, marteau. Pierre, bâton. Pierre, bâton. Pierre, bâton. Bâton. Pierre, c'est au bout là-bas. Hop, marteau. C'est le bazar là, franchement. Alors normalement on peut. Avec Y. Voilà, je me souviens. Il faut refaire 2 comme ça. Hop, on va mettre là. On va mettre là. Là on va faire une petite fenêtre quand même. D'avoir un petit peu de lumière. Ça grandit, mais vraiment un tout petit peu, quoi. C'est... C'est pas ouf, ouf, ouf. Tu peux l'enlever. Ah, la statue, j'avais oublié ça. Donc le four à béton, je vais le mettre là. Là-dedans, je vais prendre ça. On va enlever le coffre. Je vais le mettre ailleurs. Le coffre, hop. Le coffre, on va le mettre là. Et four à béton, donc pour faire. Lingot de platine. Lingot de titane. Lingot d'acier. Il nous faut du... La floraison... Au bas fourneau.
Floraison au bas fourneau. Est-ce que c'est là? Non. Alors, je ne sais plus comment on fait ça. Floraison au bas fourneau. Comment on fait ça? Cette recette nécessite la fabrication de 16 objets. Floraison au bas fourneau. Je crois que c'est un truc qu'il fallait apprendre, ça. Voilà, c'est ça. Floraison au bas fourneau. Voilà, et du coup. J'ai pas regardé où on craftait, mais je crois que c'est là. Ouais, c'est ça. Lingots et minerais de charbon. Hop, hop. Lingots, j'en ai plein là. Voilà. Je suis chargé comme un gros cochon. Et là, on va faire. Alors, hop, 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 hop. Et puis, bah, activer. Non, pas du tout. Mais je fais n'importe quoi. C'est pas ça qu'il faut faire. Faut le mettre là-dedans. Et là, on fait floraison à bas fourneau, c'est ça. J'avais tout récupéré. Parfait. Pourquoi j'étais lourd quand j'y étais et beaucoup moins lourd en faisant le retour? J'ai pas trop compris. Résine organique. Donc quand on aura fait ça, on aura des lingots d'acier. Et avec les lingots d'acier, on va pouvoir faire des vis. Et je ne sais plus pourquoi on voulait faire les vis. Pourquoi on voulait faire les vis? Alors là. Pourquoi on voulait faire les vis? Là, tu peux le récupérer, il est plein. Tout ce qui est en pierre et tout ça, on le fera pour là-bas. Pourquoi je voulais faire les vis? Alors là, ceci est une bonne question. Pour faire le banc de textile avancé, je crois. Ah, faut que je me refasse un équipement aussi. Du coup, je l'ai plus sur moi vu que j'avais plus rien. Je me refais ça, il me refaut du cuir. Prends ça. Le cuir. Donc on va refaire ça aussi. On va refaire ça aussi. Le sac à dos, il nous faut 8 cordes. Il m'en reste ici. Le sac à dos. Hop. À l'équipe, tout ça, ça va être déjà mieux. Flèche en pierre, on peut les détruire, on n'en a plus besoin. C'est bon, tu l'as fait? Parfait. Voilà. Les lingots là, ça donne quoi? 26. Parfait. Maintenant, faut les faire fondre. Impeccable. Lingot en acier. Là, au palier 3. Non, c'était pas au palier 3, c'était au palier 2. Au palier 2, on va pouvoir apprendre les haches en acier. Voilà, c'est ça, il faut des vis aussi. D'accord. Haches en acier. Haches en acier. Le reste pour l'instant, couteau en acier, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas?
Mais alors, je suis en train de réfléchir, franchement, ça me revient pas. Pourquoi je voulais absolument des vis? Ah voilà, c'est ça. Je voulais absolument des vis pour faire le banc de textile avancé et avec lui faire le harnais pour le bison. C'est ça. Donc ça m'est revenu. Alors, il me faut des vis. On va juste faire un lot. Vis, hop, hop. Donc les vis, c'est ce qu'il faut. Il nous faut de l'époxy et des lingots de fer. Époxy, lingots de fer. Ça, tu peux éteindre. Époxy, est-ce qu'il m'en reste encore de l'époxy? Là, j'en ai plus. Il va falloir que j'en refasse. Lingots de fer, époxy, 3, 5 époxy. Époxy, des os broyés. Époxy, donc sève d'arbre, je peux en refaire encore. Oh, c'est incroyable, faire un truc pour faire un truc pour faire un autre truc, faut que ça me revienne. Du soufre. Voilà, ça. D'accord. Il nous refaut de la sève d'arbre avec des bâtons. Hop, je vais plus avoir de bois. Sève d'arbre au maximum. Là, je vais pouvoir en faire 4 déjà, époxy. Hop, je peux en refaire 2 encore. Hop, et maintenant je peux faire ça. Eh ben dis donc, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Il est là. Il est juste là. Allume ta lumière là parce qu'il commence à faire nuit. Bon, devant la fenêtre, hein, de toute façon. Hop là. Et ici, voilà, c'est ça. Sac à dos en cuir. 5 kilos. C'est le même que là-bas. Mais il coûte peut-être moins cher ici. Tissage de platine. Lingot de platine. C'est ça qu'il faut! Tissage de platine. Ah oui, tissage de platine. Tissage de platine, il nous faut des lingots de platine. Pour les lingots de platine, il nous faut les pioches en acier. Pour les pioches en acier, il nous faut... Alors, je l'ai pas appris, je crois. Palier 2. Voilà, c'est ça. Qu'on passe à un autre niveau pour apprendre ça, au moins ça. Donc je vais remettre les lingots là-dedans. On va le poser où? Bien sur le four. C'est bien sur le four, c'est beau. Hop. Allez, mange-moi tout ça. Là, on est bien, d'accord. Là, tu peux me remettre ça. On va ranger vite fait. On va se vider. Les clous, on remet là. Le bois, on n'en a pas beaucoup. On va le ranger. Voilà, fibre, bâton. Pierre, oxyde. Là, il n'y a plus d'eau. Vite!
Et ça pousse tranquillement. On en a 10. Logiquement, quand on aura les deux, on aura terminé la mission. En attendant, on a juste à attendre. Et en attendant d'attendre, on peut voir pour commencer à faire ça. Alors, on va faire bois, pierre, cuir, clou. Bois, pierre, cuir, clou. On va refaire des clous. Hop, on va mettre tout ça à fondre. Il va nous en falloir beaucoup. Bois, pierre, bois, 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 bois. 50, 100, 200. 200. Hop. Donc j'en ferai en off, hein, comme je dis à chaque fois. Là, rien que là pour moi, ça va paraître long pour vous. Clou. On va se faire 50 déjà. J'avais déjà plein de lingots là. Parfait. Alors, bois, il y en a 200. Pierre, cuir. Cuir, c'est ici. Cuir, il va falloir qu'on en ramasse encore parce que là, ça laisse un peu à désirer. Va falloir qu'on farme un maximum. Bois, pierre. Pierre, il y en a plein, je crois, là. Hop, ça coûte cher, donc on va faire comme ça. On est lourd! On est lourd! C'était quoi ça déjà? Ah d'accord, ça fait partie du banc textile. Et des clous-clous. Des clous-clous, des clous-clous. 57 clous. Parfait. On va se faire une base de beaucoup plus grande que celle-ci. L'idéal. Ouais, même 10, hein, c'est peu. Même 10, c'est peu. On va lancer tout ça en fabrication et refaire encore des clous. Là, j'ai des lingots. J'ai pas de clous. Là, j'ai des lingots. J'ai pas de clous. 10, ça fait 100. Allez, 20, ça fait 200. Allons-y. Bien, c'est qu'on XP beaucoup en même temps, donc ça c'est bien. Ouais, mais ça on verra. J'essaierai de me renseigner pourquoi et comment on peut faire. Là, pour l'instant, on attend la fabrication. Ça, c'est pas encore poussé. On va faire un gros dodo. Voilà. On est à 9. Très bien. Il nous manque les clous. Les clous doivent être finis. 160. Très bien ça. Hop. Donc 9, on va faire un dixième. Et ici, on est en combien? On est en 1, 2, 3. 3 par 3. On va dire 3 par 4, ça fait 12. C'est petit. C'est petit, mais l'autre, on peut faire un étage. On va refaire pareil. Donc un 12. Comme ça. Les murs. Les murs, il en faut. 1, 2, 3, 4. 4, 8, 8, 11. 11 et 3, 14. 14 déjà. On va pas pouvoir. Ouais, c'est ça, il nous manque de la pierre. J'en ai encore un peu. Pas énormément. Ouais, pas énormément du tout. Hop. Est-ce que je peux en faire 12? Oui. 14. Alors, j'avais dit 11. Je crois. Donc 12 comme ça, 11 comme ça, les piliers,
Les piliers, il va en falloir plein. Ah, file d'attente, je vais pas avoir assez. On va voir ce qui va nous manquer. Je vais refarmer un petit peu de bois, un petit peu de pierre. La pierre, il y en a juste là, parfait. Par contre, ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Ouais, débutant, j'ai fait un badge, trop bien. Première fois que je coupe des arbres. Ah non, c'était des fabrications en pierre, j'ai rien dit. Vas-y, mais vise l'arbre au lieu de viser dans l'air. Mais c'est pas possible. Voilà. Non, ceci est un buisson. Ok, il y en a d'autres. Partout. On va éradiquer la forêt. Vite! En plus, ce week-end, pour moi, c'est tendu de faire des vidéos. Je suis en pleine décoration pour Noël. J'ai pas fini. Mes enfants, ils vont finir par me taper. Quand je fais la vidéo, on est le 11 décembre et j'ai pas fini. D'habitude, j'ai fini. Depuis un petit moment. Et vous, avez-vous eu le temps de décorer votre maison? Le faites-vous? Tout le monde ne le fait pas. Et moi, non, pas encore. C'est pas terminé. Allez, vite. Donc là, juste après cette vidéo-là, lance le rendu. Oui, je vous raconte ma vie. Hein, je sais. Mais juste après cette vidéo, je lance le rendu et je vais terminer la déco. C'est tout un... toute une organisation. Allez, vite. Il me faut du bois, il me faut de la pierre. Vite. Il paraît que j'ai un bison par contre pour y aller parce que... ça va être horrible les allers-retours que je vais faire. Pour avoir le bison, faut passer un niveau. Donc on va faire de la chasse, ça va pas être dans cet épisode qu'on va déménager. Hey, qu'est-ce que tu me fais? Eh, hey, le petit arbre. Oh non, c'est quoi la tempête? Oui, événement météorologique. Tempête en approche, trouvez un abri pour vous protéger. Ouais. Allons nous protéger vite. Bah vas-y, hein, tu peux courir plus vite, hein, tu sais. On est qu'à la moitié du niveau, maman. Oh, il y a un bison là-bas. Je vais pas lui mettre une selle sur lui, parce que c'est du coup, est-ce que je vais mettre une selle et qu'il se casse? Si j'entame un autre, au moins il va me suivre, eux je vais les tuer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais m'en faire un malin plaisir de les égorger. Allez, le bois et tout ça, je mets tout ça ici. Oh, il y en a plein. Oh là là. Hop là, le bois, tout ça là. On peut refaire des murs. Les murs. De toute façon, je vais faire deux étages. Donc même si j'en fais deux trop, c'est pas grave. Voilà, après il me refaut des sols. Pour les sols, il va nous manquer des clous. Eh, relance-moi des clous, Martin, s'il te plaît.
Genre 200. 200, c'est vraiment pas mal. Eh, hey, mon bison! Ah non, c'est pas le bison que j'ai touché. Eh, hey, ma bestiole! Ouais, mais tu perds pas de vie. Regarde, t'as une flèche dans la tête. Pas le porc épique. Allez vite, aussi le bison là. Il est coriace. Ah bah quand même. Bon, je suis vraiment navré. J'ai vraiment pas eu le choix. Donne-moi des os. Merci, là aussi. Bah lui par contre il en donne énormément. Ok, donc nous avons plus de bestioles. Je les ai trucidées. On va mettre ça là, ça là, ça là. Oh, pardon à mes souhaits. La selle, on va la mettre ici. Du bon jambonneau là. Regardez-moi ça. Oh là là, ça donne envie. Mange ça aussi, comme ça j'ai un stack complet, j'ai ça. Voilà, bâton. Fibre. Éternuer encore. Je vais farmer un petit peu de pierre. Pour que tout ça se fasse. On a le temps un petit peu. Ouais, ça va être ric-rac, hein. Vite. Oh, faible. Mais non, mais c'est toi qui es faible. Vite, on va essayer de se la jouer intelligemment, faire un trou dedans pour se protéger. Et continuer à miner tranquillement. De toute façon, je vais devoir rentrer pour boire un coup. Et là, on est protégé. Très bien. Donc ça, nickel. Je vais récupérer de l'eau. Tu sais que tu peux... Ouais, tu peux boire. Voilà. Le peu de pierre, je vais le poser, comme ça je reste dedans, je vais pas à revenir. Les piliers, max 2 seulement, mais tu te fous de moi. J'ai plus de... De clous. On va recrafter encore 44, non ça fait un petit peu de trop 44, on va en faire 20. Il y a plein de fer en dessous de toute façon, donc ça va. Les pierres, je les ai enlevées. À manger, à boire, je peux y aller. Donc comme je disais en tout début, ils ont refait une mise à jour et je trouve que la fluidité est là. Il y avait des micro latences que j'ai plus. Ou alors beaucoup moins. Donc tant mieux, c'est bien, ça veut dire qu'ils travaillent encore dessus. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Farme-moi tout ça. Voilà, donc j'ai farmé pas mal de pierres. C'est très très bien. J'ai les clous. Je peux refaire des piliers. 25. 25, ça sera pas de trop. De toute façon. Je vais pouvoir terminer la mission. Envoyer les graines de café.
Gagner de l'XP. C'est vraiment le but recherché. Oh, les rimes. Hop là. Eh, t'es où? Oh, mais ça brûle la tronche, ça. Là-bas. Eh, je veux que tu me donnes. J'aimerais. S'il vous plaît, auriez-vous l'obligeance de me donner quelque chose de bien? C'est nul. Modification, avancée, mêlée. Récompense spéciale désignée à technologie, modification d'avancée, d'accord. Aide à l'implantation agriculture. Pistolet, pistolet. Modification disponible pour les pistolets. Ah, je sais pas quoi prendre. Composteur. Accessoire de saignement. Les armes de mêlée, je joue pas trop là, en mêlée. Je vais prendre ça. Allez, l'accessoire de pistolet. Allez, va-t'en. File. Désolé, le loup. Oh. Mais on a gagné énormément d'XP. Avec la mission, on a gagné énormément d'XP. Mais allons-y, continuons les missions. Ah, c'est super. Vite! Voilà. Ah, c'est trop cool. C'est trop cool. On est niveau 22. J'avais dit qu'il nous fallait... Il nous fallait un point. Donc, solo. Solo. Allez hop, endurance max. Là, on va juste se protéger. Regardez la mission qu'on peut avoir. Facile, créature aliénée. Facile. Chasser une créature devenue folle par le processus de terraformation. Ou alors chasse difficile. On n'est pas prêt encore pour le difficile. Donc, on va prendre la chasser une créature devenue folle. Voilà. Kill Nirbi. Nirbi. Épique créature. C'est un ours, ça. D'accord. Vraiment. Bah, il est juste à côté. Est-ce qu'on pourrait pas... C'est lui là-bas. Non, je me suis planté. On va juste se protéger un coup. On va essayer de lui mettre à l'envers. Il est en train de détruire ma maison. C'est un petit peu précoce quand même mon truc là. Mais non, mais ça fallait pas ça. Pas maintenant. Le crocodile qui s'invite à la fête. Ok. Vite. Je voulais terminer cette vidéo là. Mais en même temps, l'ours m'a tenté. Alors, j'ai perdu l'agro apparemment. La esquive. Aïe 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 aïe. On va refaire la même. Je vais me protéger. Il va me taper dans le cul. Voilà. J'étais sûr. Mais il est terrifiant. Je peux pas l'avoir comme ça. Je vais perdre toute ma vie comme ça, j'y crois pas. Bon, il casse un peu la maison, c'est pas bien gênant. Il faut récupérer de la vie là. Vite!
Voilà, on a récupéré un petit peu de vie. Oh! Ah non, j'ai raté ce coup. Allez. Meurs, petit nounours, s'il te plaît. On a réussi. Bah, c'était tendu avec le crocodile là qui s'est mêlé à la fête. Eh, le truc qui atterrit sur moi là, oh, détends-toi. Eh ben en tout cas, bah donne-moi tout ça. Je pensais vraiment pas pouvoir réussir. Quand j'ai vu la taille de la bête qui encaissait tout ça, je me suis dit non, Devil, qu'est-ce que tu as fait? T'as pas fait ça. Mais si, et regardez-moi ça, ça m'a l'air intéressant. Du bois, bande de décoration rustique. Je m'en fous. La viande de gibier, amélioration de stockage. Est-ce qu'on partirait pas là-dessus? Système de stockage avancé laissé par des prospecteurs. Allez, on part là. Hop, va-t'en, petite capsule. 5250 XP. Pile, avant que je te détruise. Il a tout pété. Il a tout pété. Ah voilà quand même, parce que notre base elle était indestructible hein, jusque là. Hein. Bon, je vais réparer tout ça mes amis. Hein? Ouais, va attendre là, je viens de tuer un ours là. C'est pas toi qui va venir me chercher en bruit. Je vais réparer tout ça vite fait. Avant, je voulais voir... Voilà, c'était ça. Pioche en acier. On va faire ça. Il nous reste 2 points. Je vais bien réfléchir. Est-ce que je me ferai pas une hache en acier? Un couteau en acier? Ou alors, pour faciliter un peu plus la chose, l'arc là. Je peux le faire. Allez, l'arc... flèche en alu. Comme ça, on va être safe. Pour les missions de chasse, déjà, on va pouvoir en faire quelques-unes. Ça va être beaucoup mieux. Là, c'est quoi? Pénalité de surpoids. Rendement de l'extraction de la pierre. Je sais pas trop quoi mettre, là. Combat. Dégâts avec les fusils. Allez, vitesse de rechargement. On va continuer là-dedans. Hop, tu me mets ça à cuire, s'il te plaît. Ça, on a assez. Ça, tu vas en manger un. Tu splits. Non, tu splits. Voilà, tu me remets ça ici. Parce que la vie, on a pris très cher. Mission terminée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mission pour la prochaine vidéo? Agriculture, artisanat, facile. Fabriquer quelques outils. On pourra faire ça. Je vais pousser des récoltes pour les livrer. Ça, c'est long. Et là, ce que je recherche vraiment, c'est passer les niveaux rapidement. Donc, on va prendre une mission facile. Voilà, je vais arrêter cette vidéo-là. En attendant, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus. De me lâcher quelques petits commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir. De vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, je vous dis à la prochaine. Continuez. Comme ça, vous êtes super. Portez-vous bien, surtout, c'est le principal. À la prochaine. C'était Devil, ciao ciao.